Vous faites quoi? Ouais, c'est déjà comment? Le monsieur a choisi un petit aéroport avec tout le monde va apparaître dans les airs. Ah, puis là, je fais un repérage. C'est juste à côté du point d'eau. Je connais pas l'endroit. C'est où l'endroit en passant? J'ai encore oublié mon Aquifield. Ah, une chance, je suis arrivé avant, je vais pouvoir régler ça là, parce que j'ai pas de GPS, j'ai pas d'Aquifield, j'ai rien. Oui, oui, j'arrive. Fais gaffe, il va prendre ça. Sauf que si mon Aquifil marche, il m'a l'envoyé par Aquifil. Même pas les collisions avec toi. J'étais à 1000 pieds, minute. ...35 de pression, 2300 dans les tours. Cul, il trouve pas. Tout va bien. Il est juste devant lui, le truc, là, point exé, la MSI. Là. Bon, comment j'enlève ça, le patou déjà? Là, j'étais à 83 environ. Je vais essayer, mais je pense pas à cette attitude-là. Là. Ah oui, j'ai encore un petit peu de jus. Oh, un peu, là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, ça commence à se faire sentir sur mes moteurs! Non, je veux avoir mon 13500! Ouais, mais c'est pas dur sur le mien, c'est un automatique. D'ailleurs, ça, c'est pas réel. J'ai parlé avec mon pilote de 4, là, pis c'est... En tout cas, les cansos étaient pas faits demain. Tu vois, à chaque fois que les moteurs baissent, ils redescendent un petit peu. Il y a de la misère à tenir le maximum. Bon, je vais descendre parce que là, on me casse la gueule. Attends, tu veux, faut que je photographie, hein? Même les descentes, cette attitude-là, ils les aiment pas trop à bus, ça a l'air. Bon, ben je pense qu'on la verra pas l'aéroport parce qu'elle est dans le caca. Merci. Le problème, c'est que j'ai pas fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me ramener dans la montagne. J'ai pas fait mes devoirs, mais je sais pas... Sous son aile.